très content de la défense de l'équipe. Même à la fin, 5 essais à 1, on n'a pas voulu prendre un essai, on a défendu et ça c'est l'état d'esprit que je parlais. Après j'avais dit dans la semaine que quand une équipe joue contre un club, ils peuvent y arriver. Et quand vous le maintiens, c'est le club qui le maintient. C'était très important, cette force que ça donne les bénévoles, les centres de formation, l'école de rugby, les administratifs, les présidents, les dirigeants. Et cette force, c'est plus que ça donne, c'est la force d'un club. Et quand vous jouez les maintiens, vous savez, si vous ne savez pas ça, c'est compliqué. Et nous, on avait cette force, c'est très difficile de lutter contre la force. Tu es venu ici pour maintenir le club dans une situation compliquée, tu l'as fait. Ça veut dire que l'année prochaine, on va te revoir encore ici, avec des ambitions un peu plus hautes. Il y avait une mission à court terme, elle est faite. Elle est faite, mais ce n'est pas moi qui sauve le club. Mais attention, moi j'ai dit, c'est les clubs qui sauvent, c'est les clubs. C'est les clubs. Les clubs, c'est pas les staffs, c'est pas les joueurs, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, cette union qu'on a eue ces derniers temps, dans la difficulté. Je ne me rappelle pas ici, quand je suis monté après le match de Carca, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Facile, ouais. C'était pas simple. C'était pas simple. Aujourd'hui, je crois que c'est les clubs qui se maintiennent. C'est les clubs qui se maintiennent. Pour moi, ça, c'est le plus important. Moi, si je suis venu apporter ma petite partie. Hein. Si je n'avais pas trouvé un club comme ça, ça aurait été compliqué. Ouais. Mais la force d'un club est inarrêtable. J'envisage la suite, c'est samedi, dimanche, j'ai profité beaucoup. Beaucoup échangé avec les coachs, avec les staff, avec les présidents. Il a avancé. Ce club, le projet est énorme, la région est magnifique. Et il y a tout pour réussir ici. Il y a tout pour réussir. Il faut juste que nous, on soit à la hauteur du club. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est 4e année d'affilée qu'on est en Pro D2. La manière dont on s'est maintenu cette année, les fondatrices. Ça a apporté beaucoup ces derniers temps de souffrance. Dans la souffrance, soit vous éparpillez, soit vous soudez. Et on était capable de rester soudés dans la difficulté. Et ça crée des liens. Dans ces moments de difficulté, il faut cet état d'esprit. Il faut cette unité dans les clubs. Pour moi, c'est non négociable. C'est non négociable. Et ça donne de la force, ça donne de l'énergie. Ça transmet de la confiance. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de supporters. Les clubs étaient comme ça, on entendait les joueurs hors groupe plus que jamais. Et c'est ça un club. C'est ça, un club. Et après, les maintiens, il y a beaucoup de souffrance en les maintiens. Et les jours que vous arrivez à vous maintenir, c'est un grand soulagement. Il y a beaucoup d'émotions aussi. On vit beaucoup de. Il y a beaucoup de souffrances, mais aussi les jours que vous arrivez, c'est un putain de jour. Hein. Et aujourd'hui, je crois que les joueurs, ils sont soulagés, ils sont heureux, ils sont fiers, parce que ce qu'on a fait aujourd'hui contre une équipe de Montauban, c'était pas fait. C'était une très bonne équipe qui sont jouées. On a su rester concentré, bien défendre, mais. En face, on avait une super équipe, et c'est pour ça qu'il prend encore plus de la valeur notre victoire.